drag! Give me! Drink, drag, give me! Drink, drag, give me! Drink, drag, give me! Sorry. Il est pas très beau. Mais tu te dis que tu pourrais l'aimer. Ah, tu as une bouche pleine de dents comme ça. Attendez. Autant se faire sucer par une jument, quoi. Tu te dis que tu pourrais l'aimer. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que. C'est que graphiquement, ce jeu, en texture et lumière, il est HAL. Particule. Particules de lumière sous les projecteurs. Non, c'est pas ça. C'est qu'après, par contre, en volume, en forme. Ah ouais, d'accord. Tu vois les coudes, les doigts et tout. Et là, la gueule de l'alien, quoi. Ouais. Non, ça m'a surpris. Bah, la musique et on tout. Très quand peu je l'ai vu. On l'a très peu. Mais justement, ce que je suis en train d'expliquer, quand je vois quelque chose très peu, je fantasme au maximum. Oui. Super menaçant et tout. Le fantasme un peu coupé, ok. Mais ça a marché. On n'a rien compris. Il y a plein de bruit. Je rentre dans le truc et là, tu te fais buter. Comme une vigne. On a avancé comme des cons. On se rendait pas compte qu'il fallait avancer en mode tatillon tout le temps. Non, mais c'est normal. Regarde. On sort d'un concert de hip-hop, de rap français. C'est la nuit. J'ai pas fait ça, moi. Non, je t'explique. Je te mets en situation. Putain, j'ai pas fait ça, moi. Pourquoi on est mort? J'ai parlé à mon micro comme si c'était une caméra. Non, mais c'était ridicule. Oui, caméra. Regarde-moi dans les yeux. On se remet en situation. Pourquoi est-ce qu'on est mort, là? Parce qu'ils nous disent, allez à la gare. On appelle, on est là, non, qu'est-ce qui se passe? Le truc s'ouvre, on rentre dedans, on est dans la lumière, l'alien, il arrive. On pensait que c'était la lumière, la salvation. La salvation. Regarde. Expliquez un concert de rap français. Le soir, c'est un concert. Tu sors, oui. Tu fais une nuit dehors, tout est fermé, oui. Sauf un KFC. Il n'y a non, j'ai finir. J'ai finir. Donc là, bah, tout le monde va au KFC manger des buckets ou je sais pas quoi. Mais nous savons tous et là, quelle est la clientèle du KFC. Une attaque terroriste des fils d'Odin. Hein, attention, faut pas oublier ce groupe terroriste. Au KFC, les fils d'Odin? Non. Mais si, c'est une attaque terroriste. Ils sont dit, ah. Ah, c'est le bruit que tu faisais avec ton rat qui sentait sa manette de chaussons. Ah, 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 putain, il m'a trop fait stresser ce jeu. Je pleure. Non, attends. Ah putain, tank. Ah. Ton. Oh. Et j'ai de la bouche. Mais t'as des larmes sur le nez. Donc vous avez compris le truc. Si t'es entouré d'un danger. T'es au KFC. T'as les fils d'Odin qui arrivent. Non, s'il y a un danger quelconque qui te poursuit dans le noir, va pas te foutre à la lumière. Va pas te foutre à la lumière. Fous-toi dans un coin dans le noir et attends qu'il n'y ait plus d'odeur de poulet. Il est en train de se pleurer dessus. Il fallait que tu ressortes tout ce stress du jeu. J'ai putain de stressé. Cours de jeu. J'avais l'impression de jouer. Ta vie à Alan Wake tout seul à Romelon, quoi. Tu vois. Franchement, mets ta gueule devant. Ah putain. Tu viens de faire quoi? Le truc pour rap des années 80, tu vois. C'est con. Dès que tu chiales, t'as le nez qui se bouge et t'as une voix de merde. En plus, t'as un gros nez quand même. La voix main.
T'as un gros nez, mais tu t'es vu, toi, avec ton rire de chinois. Ça va, on tape dans les ethnies. Oui, oui, oui. Bon, en parlant d'ethnie, on a ce petit produit-là. Si t'es chaud éthiquement, tu peux te le fourrer dans le cul. Bon, celui-là, il a été peint à la main aux USA. Bon, il a été designé aux USA. Voilà. Et c'est débile bokeh. Allez, merci, bonsoir. Merci.